Bienvenue pour un nouvel essai sur le repère des motards, un scooter, vous allez me dire, et en plus c'est un scooter électrique, on bat tous les records. Mais il va falloir s'y faire pour la ville, eh bien on est en train d'arriver vers une période où l'électrique va être quasi obligatoire. Ma propre moto est interdite dans Paris, donc ça peut être exactement le type de mobilité urbaine vers lequel on va. Et puis, on vous en a parlé, le Vespa Electrica, puisqu'on parle bien de la Vespa, effectivement, la fameuse, eh bien elle est apparue déjà en 2016. Enfin, le concept est apparu en 2016, avant de voir la version équivalente 50 cm3 juste l'année dernière. Mais franchement, 45 km/h avec ça, c'est pas super fun. Et ça, c'est la bonne nouvelle de l'année 2020. Eh bien, Vespa revient avec cette version 125, équivalente 125. Et là, on se dit, un 125 en électrique pour la ville. On va pouvoir faire un peu de périurbain, plus de puissance, plus d'autonomie. Qu'est-ce que ça donne? C'est tout de suite. Eh bien, qu'est-ce qui différencie cette version 125 du 50? On m'aurait menti, il y aurait un loup. En fait, il n'y a aucune différence. Franchement, il y a une toute petite nuance. C'est ce ressort d'amortisseur rouge, une petite, toute petite touche de rouge que l'on retrouve également à l'arrière sur le moteur. Et c'est tout. Même le poids des deux machines est identique. Elles font dans les deux cas 130 kg. Ceci incluant le poids de la batterie qui fait 25 kg. En fait, on a exactement le même encombrement et la même batterie, le même poids de batterie que la version 50, sauf que c'est une nouvelle batterie, c'est un nouveau système pour gérer tout ça, et c'est ça qui permet plus de puissance et un petit peu plus d'autonomie. Eh bien, on a typiquement avec cette Electrica une Vespa habituelle. On retrouve le petit logo Vespa sur les poignets. On a une ligne qui est vraiment identique à la tradition Vespa et à la Dolce Vita à l'italienne. On a ces petites lignes, et puis s'il y a un détail qui détermine les modèles électriques, eh bien c'est les parties un petit peu jaune fluo que l'on retrouve un petit peu en bas. Heureusement, il existe également en version bleue, en version grise et en version noire. Donc pour être un tout petit peu plus discret, à moins que vous vouliez vraiment vous faire reconnaître avec ce petit jaune fluo un tout petit peu partout. On retrouve vraiment sur la Vespa, ce qui est caractéristique également des différents modèles Piaggio, eh bien c'est une position de conduite qui est juste bien. On est moins haut que sur bon nombre de scooters. La selle est à 790 mm ici, ce qui fait qu'elle est assez fine à l'avant. On a quasiment les pieds à terre. Et Dieu seul sait si par exemple sur un équivalent, enfin sur un X-Max 125, eh bien j'ai juste la pointe. Ici on est bien, puis encore une fois le scooter est léger, mais la position vraiment est d'autant mieux en fait que les bras tombent directement et très très bien sur les poignets, et puis qu'on a de l'espace ici, c'est-à-dire que les plus grands qui ont des plus grandes jambes que moi, eh bien vont pas se retrouver à taper les genoux contre le tablier. Ça c'est un vrai point positif, parce que sur la majeure partie des petits scooter, eh bien on se retrouve plus facilement avec vraiment les genoux qui rentrent dedans. Alors on notera qu'il y a une jolie béquille centrale. Heureusement, elle est très facile à positionner pour une bonne et simple raison, c'est qu'il n'y a pas de béquille latérale. Et ça c'est logique, c'est le problème entre guillemets des électriques. Le bruit, on n'a absolument aucun bruit. Et à partir du moment où il suffit de toucher à la poignée quelques secondes, eh bien le scooter il part directement. Donc ça c'est en fait une sécurité. Parce que sur la béquille latérale, il suffirait vraiment d'un petit point pour voir le scooter partir. Alors que là, une fois qu'il est sur la béquille centrale, eh bien la roue tourne dans le vide. Alors, sous le capot, ou plus précisément sur le moteur, à l'intérieur du moteur que l'on retrouve à l'arrière, en fait, on a bien un moteur électrique Piaggio sans balai, avec un système en fait de récupération d'énergie intitulé KERS, pour Kinetic Energy Recovery System. Le moteur est alimenté par une batterie lithium de 4,2 kWh avec une capacité de 86 ampères-heure.
Au contact, eh bien, on a une jolie animation Piaggio et plus spécifiquement Vespa. Et puis là, on a l'écran standard que l'on avait déjà sur la version équivalente 50 avec ici, eh bien, tout simplement le mode Power. En fait, on peut choisir entre le mode Power, entre le mode Reverse, un peu anecdotique, on peut faire de la marche arrière et puis surtout principalement le mode éco. Le mode éco et le mode power, comme sur tous les modèles électriques, vont déterminer en fait votre autonomie et puis surtout la puissance maximale. L'autonomie en fait en mode éco est de 100 km, mais dès qu'on est en mode power, ici on va tomber sur une autonomie qui va plutôt être de l'ordre de 70 km. Sachant que on retrouve ces informations après sur le compteur avec le pourcentage de charge batterie restante, ici il en reste plus que 70%, la vitesse maximale que l'on a atteinte, l'autonomie restante en termes de kilomètres, et puis naturellement au milieu un gros chiffre qui permet d'avoir la vitesse. Et puis quand on utilise la poignée gauche, et bien ici ça va déterminer est-ce qu'on est en utilisation économique de la puissance électrique ou au contraire est-ce qu'on tire énormément dessus, auquel cas on passera du vert au rouge. Alors on a plein d'informations également comme le totalisateur, le trip partiel, le temps du dernier voyage, la vitesse maximale atteinte, la vitesse moyenne, la consommation en water par kilomètre et puis le niveau de freinage, en sachant qu'on peut avoir deux niveaux de freinage et de récupération d'énergie avec un break 1 et un break 2. Et puis après on peut accéder à tout ce qui est partie settings de façon longue où on peut là du coup atterrir sur la configuration, type d'avertisseur sonore, le rétroéclairage, le freinage. Bon, ce que l'on demande également à un scooter, ce sont les aspects pratiques. Ici, eh bien, comme tous les scooters, on arrive à avoir un coffre sous la selle. Alors, c'est pas aussi grand que même des modèles comme le Medley 125 qui offre la possibilité de mettre deux casques. Ici, on pourra mettre un casque ou un bon petit sac. En fait, c'est assez logeable et c'est vraiment fait typiquement pour mettre un casque. Bon, maintenant, ça c'est un modulable. Un modulable ne rentrera pas. Il faut plutôt, même si là ça rentre, en fait, sur la selle ça n'ira pas. Donc, ça sera plutôt un jet, voire un demi-jet. On a ouvert la selle, et bien justement, on va tomber sur la possibilité de recharger le scoot. La prise est directement à l'extérieur, et ça c'est bien parce qu'on peut brancher ça directement sur une prise standard chez soi. Côté recharge, eh bien, il faut compter 4 heures pour une recharge complète. Bon, objectivement, j'avais peur de me trouver à court de jus au bout des derniers 15 km d'autonomie qui m'étaient indiqués par la jauge. J'ai donc rechargé, il a fallu 3 heures. Donc en fait, la première grosse partie de la recharge est assez rapide. Et voilà. À l'avant, eh bien, on a un petit vide-poche surtout qui va permettre ici de mettre soit vos clés, soit votre smartphone. Et qui dit smartphone dit prise USB et c'est ça qui vous permettra de recharger en roulant votre smartphone. Et dernier point pratique, il y a quand même beaucoup d'espace ici, ce qui fait que si vous avez un très gros sac avec les courses, ça vous permettra de tout embarquer. Côté confort, on le voit, on a une énorme selle ici et qui est très épaisse également pour le passager. Deux amortisseurs à l'arrière. On verra ça sur route, mais ça s'annonce bien. Bon, c'est pas tout. Je vous ai vraiment parlé de l'Electrica en long, en large et en travers. On va aller voir ce que ça donne et c'est en ville. Voilà, c'est vert. On est en 1, 2, 3, 4, 5 secondes. Presque à 50, sauf que là, c'est la petite côte. Et la petite côte, ça veut dire que malgré le fait que je l'ai la poignée complètement à toc, comme j'avais pas du tout d'élan, je vais être à peu près à 45 km/h vraiment avant d'être capable de reprendre de la vitesse. Alors, ce qui est rigolo, c'est ce petit écran en fait qui, dès qu'il est à l'ombre, la nuit, passe sous un tunnel, il passe sur fond noir. Ici, on note bien que je suis en accélération maximale et on voit sur l'écran ces petits indices orange qui disent que je suis vraiment pas en utilisation éco. Par contre, au freinage, et puis à partir du moment où ça ralentit, je repasse en vert et à contrario, je passe vraiment en rouge. Là, on sait que je suis en consommation maximum. Ça y est, je suis revenu à 50 km/h en quelques secondes. Mais ici, on est sur le plat. Et c'est en fait vrai, il y a un vrai delta entre la vitesse maximum que l'on peut atteindre sur le plat et puis la vitesse effective, notamment quand on entre en côte. C'est encore vraiment plus flagrant quand on est en duo. En duo, si
si on peut faire du 70 km/h en vitesse maximale en solo. On va être à peu près sur les mêmes vitesses en duo. Par contre, dès que ça grimpe, là, la vitesse, elle va passer immédiatement à 60 km/h, là où on passe plus vite autrement. Le PEPS, il est tout de suite, hein, même par rapport à des modèles thermiques. Donc on peut... Là, on est déjà à 50. Après, il va aller à peu près jusqu'à 60 km/h. Après, ça va être un petit peu plus long pour reprendre. Et pour autant, on le voit sur la jauge ici, on est toujours en vert, donc on n'est pas vraiment dans le mode qui nécessite le plus d'énergie. Pour arriver aux 70 km/h, il suffit juste d'être bien lancé. Et puis vraiment, l'écran est très clair. La vitesse, on la voit vraiment bien. Et puis les autres indications aussi. Alors, le trip partiel, le petit trip, il n'est pas super utile. Par contre, zut, il y a un rouge. Et là, on va voir le freinage, en fait. Ce qui est bien avec ce freinage sur ce Trail Electrica, franchement, il est puissant. On peut même le prendre à deux doigts au levier, c'est très très bien. Il est rassurant. Je le préfère très très largement au Medley, 125, où je le trouve un petit peu mou. On a une vitesse de pointe qui est suffisante pour faire un petit peu de périurbain, pour pas trop s'ennuyer. Bon, 70 km/h, c'est pas extraordinaire. Ça suffit pour la majeure partie des choses, en ville notamment, mais voilà, dès qu'on sort un tout petit peu, on apprécie d'avoir un peu plus de vitesse. On pourra prendre le périphérique, mais ce sera tout. Alors, autre point d'avantage très très fort, c'est que, eh bien, on arrive à se glisser parfaitement entre les voitures. Et puis la maniabilité, encore une fois, ce petit Electrica, il est franchement, il est très léger. Il tourne à 90 degrés de façon parfaite. Et une maniabilité que l'on retrouve, eh bien, pour prendre le moindre rond-point de façon un tout petit peu serrée. Pop. Et c'est vraiment sans effort. Bon, zone rouge. On voit que là, je suis à fond en accélération au début. Donc, ça consomme du coup pas mal. Et puis, dès que je vais passer un petit peu au-dessus, 60, là, je suis encore un petit peu dans le rouge en général. Mais là, on est légèrement en côte et puis ça y est. Là, je repasse en vert, donc en mode écologie. Alors, en mode power, il ne faut pas se faire trop d'illusions. C'est 70 km, c'est pas monstrueux. Pour prétendre aux 100 km d'autonomie, il faut vraiment être en mode éco. Mais le problème du mode éco, c'est qu'il est lent. Il est lent, il faut vraiment le mode power pour arriver à 70. Et puis, ce qui est agréable, c'est cette absence de son. Alors, quand on est à un peu plus de 50, 70, on entend ce petit ronronnement typique de l'électrique. Mais en dessous, franchement, le casque est plutôt bien insonorisé pour ce modèle-là. Donc, avec un jet, on l'entendra un peu plus. Mais il faut... Voilà, si on n'y fait pas attention, si on n'y prend pas garde, on n'entend pas. Au niveau look, j'adore les Vespa. Donc ça, c'est dit. Maintenant, côté confort en duo, la selle est très agréable. Les poignées, tout l'arc de cercle, entre guillemets, peut aussi bien faire poignée passager que support pour mettre ici un sac avec une araignée si on est un tour solo. Donc c'est assez pratique pour le citadin. Le petit bémol sur ce Vespa, c'est les repose-pieds. Parce qu'en fait, le pied du passager, du coup, vient en buter sur le mollet du conducteur, ce qui n'est pas très sympa pour le conducteur. Et en plus, c'est pas évident du coup de maintenir serré les deux pieds, de maintenir la position assise parfaitement. Mais bon, la conduite de toute façon est assez douce sur ce type de Vespa, donc on va pas avoir une accélération forte du pilote. Et bien voilà, cette Vespa Electrica est vraiment une machine sympa, agile, maniable, les petites roues, un bon peps au démarrage. Il n'y a rien à voir par rapport à la version équivalente 50-50, c'est équivalent 125. Enfin, vous pouvez rouler un tout petit peu plus vite, vous pouvez prendre le périphérique avec si on parle de la région parisienne ou d'autres grandes villes françaises. Bref, c'est une machine vraiment sympathique.
Le plus, eh bien, ce serait qu'elle ait un petit peu plus d'autonomie, parce qu'effectivement, en mode power, 70 km d'autonomie, c'est pas beaucoup. Et puis, c'est pareil, hein, elle commence à peiner vraiment du haut, donc elle est en retrait. Bref, il lui faudrait 30 km de plus d'autonomie et surtout 20 km/h de vitesse pour être vraiment parfaite. Maintenant, elle est juste 300 € plus cher que la version 50 qui était vraiment beaucoup trop chère et inabordable. Avec cette version, on est quand même déjà à 6 690 €. Elle s'adressera donc surtout aux amoureux de la marque, aux amoureux de la Vespa, aux amoureux du look, parce que c'est vrai, le look est vraiment très très sympa. Et puis ceux qui veulent se la jouer un tout petit peu écologie avec un modèle vraiment très très silencieux, encore une fois agréable au jour le jour. Et bah, si vous craquez pour, d'autant plus qu'il y a des offres à 99 € par mois, eh bien il ne vous restera plus qu'à choisir les coloris entre le jaune, le bleu, le gris ou le noir. Voilà, vous avez aimé l'essai de ce scooter Electrica, eh bien, je vous invite à vous abonner. Il y aura d'autres essais électriques sur le site avec des machines également plus puissantes parce qu'elles sont en train d'arriver, des machines moins chères. Bref, vous avez aimé, un petit pouce vers le haut. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, que vous découvrez la chaîne aujourd'hui, je vous invite à vous abonner en cliquant en bas à droite.